messieurs, bonsoir. Nous prenons la direction de Trinidad et Tobago pour le dernier match de la sélection haïtienne des moins de 20 ans face à son homologue du Canada. C'est au stade à Tobolton. Haïti va tenter de prendre l'ultime billet pour la phase finale de la Coupe du Monde. La phase finale se déroulera en France au mois d'août prochain. Tout à l'heure, ce sera l'hymne national d'Haïti. L'équipe haïtienne a rappelé en demi-finale s'était inclinée au tir au but face à la sélection des États-Unis. Temps réglementaire, un but partout. Il faut rappeler en match de poule, Haïti a déjà rencontré le Canada. L'équipe haïtienne a été battue 4-0. C'était une équipe haïtienne largement remaniée. Le sélectionneur Makola avait fait tourner son effectif. Les deux équipes font leur apparition sur la pelouse du stade à Tobolton. Haïti avec ses couleurs traditionnelles. L'équipe canadienne en demi-finale a été battue par le Mexique. Les États-Unis et le Mexique ont déjà leur billet en poche pour la phase finale de la compétition. Cette équipe haïtienne est emmenée par la Montpelliéraine Nerilia Mondésir. Nerilia qui a marqué contre la sélection américaine. Et à l'instant, la Dessalinienne. Se joue actuellement au stade Alto Bolton. L'hymne national d'Haïti. La Dessalinienne. C'était la Dessalinienne au stade Alto Bolton. Et maintenant, l'hymne national du Canada. Ce n'était pas encore la fin de l'hymne national d'Haïti. On s'était trompé. Voilà. C'était l'hymne national et d'Haïti. À l'instant, l'hymne national du Canada. C'était l'hymne national du Canada. Maintenant, salutation d'usage entre haïtiennes et canadiennes avant que l'arbitre central Ekaterina Korleva ne donne le signal de départ. On l'a dit tantôt, on est au stade à Tobolton pour ce match entre Haïti et Canada, match pour la troisième place. Le vainqueur validera son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde. France 2018, ça c'est le 11 de départ de l'équipe haïtienne. Carly Théus, Ruthny Mathurin, Tabitha Joseph, Naftali Norté, Rosiane Jean, Daniel Etienne,
Michi, Daniel, Dumornay, Roselyne et Loisin, Shirley, Jeudi, Bettina, petit frère, et Nerilia, mon désir. Nerilia, capitaine de la sélection haïtienne, échange de fanion entre les deux capitaines. L'arbitre central est une américaine répondant au nom de Ekaterina Koroleva. Oui, tout à l'heure, il y a eu échange de fanion entre Nerilia Mondésir, capitaine de la sélection haïtienne, et celle du Canada, Gabrielle Carly. Ça, c'est le 11 de l'équipe du Canada. Riley Foster, Emma Regan, Ashley Catro, Ariel Young, Maya Antoine, Julia Grosso, Sarah Stratigek, Gabrielle Carly, Tania Boychouk, Jedi Rivière, Jordine Utema. L'arbitre, l'américaine Ekaterina Koroleva prend toutes les dispositions avant de donner le signal de départ. En tout cas, et tout le pays attend une victoire de l'équipe haïtienne. Victoire qui permettra évidemment aux Grenadiers de valider leur billet pour la phase finale de la Coupe du Monde France 2018. C'est l'équipe haïtienne qui va donner le coup d'envoi de la rencontre. Et voilà, c'est parti sous la direction de Ekaterina Koroleva. L'équipe haïtienne est déjà en territoire canadien. Attention à cette attaque des Grenadières. Dribble de conservation, bien joué côté de l'équipe haïtienne. Et finalement, il y a intervention de la défense canadienne. Attention, et la passe à l'équipe haïtienne en train de se replacer. Ça peut être dangereux. Attention, et la joueuse canadienne gênée de très près, contrainte de combiner en retrait, et le dribble, bon tacle, intervention sans faute de la joueuse haïtienne. Attention à cette attaque, la dangereuse Nerilia Mondésir, la feinte de Nerilia, le centre, centre contré, ballon dégagé par la défense canadienne, ballon récupéré par la sélection haïtienne, le ballon ne va pas sortir, oui, sauvé, l'équipe haïtienne en train de combiner dans le rond central, intervention propre côté de la sélection canadienne, balle au niveau de la défense canadienne. Attention à cette passe. Entre-temps, les Haïtiennes se replacent. Passe en profondeur. La sortie de la gardienne haïtienne, c'est bien Kerly Teus qui dégage le ballon en touche. Kerly Teus qui a fait un bon match face à la sélection des États-Unis. L'équipe haïtienne s'était inclinée au tir au but face à son homologue des États-Unis. Temps réglementaire, un but partout. Et ballon dans le camp de l'équipe haïtienne. Les Canadiennes vont repartir à l'offensive. Attention, et la passe. Mais l'arbitre arrête le match. Il y a faute. Faute commise par Roselyne Éloisin. Le sélectionneur Makola donne des instructions à partir du banc. On revoit l'intervention irrégulière de Roselyne Éloisin. Ballon dans la défense canadienne. Attention. Et la longue passe dans le camp haïtien. Intervention de la gardienne de l'équipe haïtienne, Kerly Teus. Kerly Teus se prépare à dégager. 0-0 entre eux. Haïti et Canada, match pour la troisième place. Le vainqueur sera qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde France 2018. Mauvais dégagement de Kerly Teus. Le ballon est sorti en touche. La touche effectuée très rapidement. Et dribble de conservation, ballon contré. Les Haïtiennes tentent de récupérer. Ballon repoussé
par la défense. Et attention, et finalement, la défense haïtienne arrive à dégager. Les Canadiens reprennent rapidement le contrôle du ballon et dribble de conservation. Attention à cette passe-là, il y a danger pour l'équipe haïtienne. Position avancée signalée par l'arbitre assistant. Oui, il y avait position de hors-jeu. Ce sera un coup franc pour la sélection haïtienne. Effectivement, au vu du ralenti, il y avait position de hors-jeu. Attention à cette longue passe. Ballon en territoire de la sélection et canadienne. Balle récupérée par les Canadiennes. Et intervention est manquée d'une joueuse haïtienne. Les Canadiennes combinent à partir du rond central. Et attaque menée par Emarigan, la passe de Emarigan, et le contrôle, et les Haïtiennes font le pressing, Nerilia, tout en accélération, Nerilia, et finalement Nerilia perd le ballon, l'équipe canadienne à la récupération, ballon est contrôlé par la gardienne Riley Foster, et la passe de Foster, ballon est contrôlé par le latéral de la sélection et canadienne qui se rabat vers le centre, passe en profondeur pour personne sinon pour Kerly Theus, la gardienne de la sélection haïtienne. Kerly Theus prend son temps avant de dégager. Vraisemblablement, Kerly Theus va effectuer un long dégagement. La relance de Kerly Theus, le coup de tête, le contrôle manqué. Les Haïtiennes combinent, il n'y a pas hors-jeu. Attention, et la feinte, l'équipe haïtienne finalement perd le ballon. Et les Canadiennes arrivent à dégager. Attention, il y a télescopage entre deux joueuses. C'est la joueuse haïtienne qui a fait les frais. Tania Boychuk, elle, s'est déjà relevée. Le jeu momentanément interrompu. Oui, les deux joueuses se sont télescopées. Plus de peur que de mal. Rien de grave pour Ruth Nimaturin, l'arrière gauche de l'équipe haïtienne. Voilà, et Ruth Nimaturin va se replacer, coup franc pour la sélection canadienne. Et ballon au milieu du terrain, le ballon revient dans le camp canadien, c'est au niveau de la défense pour être plus précis. Petite passe à gauche, les Canadiennes élaborent le jeu. Et maintenant, elles sont déjà en territoire de l'équipe haïtienne. Le tacle, l'arbitre américaine fait signe de continuer. Le contrôle de Nerilia, attention, dribble de conservation, la passe vers Nerilia. Oh là, Nerilia, gênée. Est-ce qu'il y a faute? Non, Nerilia résiste. Et dribble de conservation de Nerilia. Le centre, le danger toujours présent dans le camp de l'équipe canadienne. Est-ce que Haïti va marquer? Non, finalement, la défense canadienne parvient à conjurer le danger. Attaque des Canadiennes. Les Haïtiennes doivent se replacer. Attention, ballon qui revient dans la défense canadienne. Les Canadiennes recommencent le jeu. La longue passe, dégagement de la défense haïtienne. Le tacle, l'équipe haïtienne tente de récupérer. Ballon contré. Au passage, les Canadiennes, toutes froides, arrivent à garder le ballon. Ballon au niveau de la défense. Et la remise, et l'équipe canadienne va repartir à l'offensive. Souvent, les Canadiennes procèdent par de longues balles. Attention, ballon dans la défense haïtienne. Et la relance est mauvaise. Oh non, là, on est en danger avec cette mauvaise relance. Heureusement pour nous, il y a eu une mauvaise passe. Ce sera une touche pour la sélection haïtienne. L'équipe haïtienne doit rester concentrée, compacte,
pour espérer un bon résultat face à la sélection canadienne. Deux joueuses haïtiennes à la poursuite de la porteuse du ballon. Attention à cette longue passe dans la défense haïtienne. Et ballon contrôlé, oui, ballon sauvé. Les joueuses haïtiennes font le pressing à trois. Bon tacle. Une très bonne intervention côté de la défense haïtienne. C'est un corner pour la sélection canadienne. Le tacle était de Roselyne Eloisin. Pas de corner. C'est plutôt une remise en jeu pour la sélection haïtienne. Remise en jeu pour la sélection haïtienne. C'est toujours 0-0 au stade Ato Bolton du côté de Trinidad et Tobago. Ballon qui est revenu dans la défense haïtienne. C'est une touche pour les Canadiennes. Ballon qui va sortir. Cette fois, la touche est haïtienne. Touche pour la sélection haïtienne. Makola debout. Au cours de sa très longue carrière d'entraîneur, c'est pour la première fois que Makola dirige une sélection féminine, une équipe féminine. Et très bonne intervention. Et la passe, bien joué côté de l'équipe haïtienne. Oh non, non, ballon perdu. L'équipe haïtienne, sur cette attaque, aurait pu faire mieux. Les Canadiennes vont repartir à l'offensive. Le ballon ne sort pas, sauvé par une joueuse canadienne. Ballon dans le rond central, ça recommence. Et ballon au niveau de la défense. Attention à cette ouverture, oui, passe latérale. Le contrôle orienté, ballon maintenant en territoire de l'équipe haïtienne. Oh là, il y a danger pour les Haïtiennes. Danger toujours présent dans le camp de l'équipe haïtienne. Oh non, quelle ratée de la portière haïtienne. Heureusement, il y avait la présence de qui pour contrer ce ballon. C'est bien Rosiane Jean. Quel effort de Rosiane Jean. Corner pour la sélection canadienne. On revoit cette attaque de la sélection canadienne. La sortie manquée de Carly Teius. Attention à ce corner. Il y a faute sur Carly Teius. Ce sera un coup franc pour la sélection haïtienne. Jusqu'à présent, les deux équipes se neutralisent. Zéro but partout. La gardienne de la sélection haïtienne, Carly Teius, se prépare à dégager la sortie manquée de Carly Teius, qui n'a pas joué le ballon. On l'a dit tantôt, les États-Unis et le Mexique ont déjà leur billet. Attention à cette attaque de l'équipe haïtienne. Possibilité pour les Grenadiers de prendre l'avantage. Mais non! Intervention de la défense canadienne. Les Canadiennes repartent à l'offensive. Il y a danger pour Haïti. Heureusement pour nous, il y a une mauvaise passe d'une joueuse canadienne. Le ballon est allé directement sur Carly Teius. Carly Teius s'apprête à dégager. Long dégagement de la gardienne haïtienne. Et le contrôle de Nerilia. La passe. Dégagement des Canadiennes. Et deux joueuses haïtiennes à la poursuite d'une Canadienne. Ballon perdu. Le pressing se révèle payant. Les Haïtiennes combinent à partir de leur défense. Et bien joué. Oui, les Haïtiennes s'en sortent bien. Le ballon est toujours au niveau de la défense.
Et la longue passe. Oh non. Intervention ratée d'une Canadienne. Attaque de l'équipe haïtienne. Attention. Dribble de conservation. Bien joué. La passe. Oh non. Elles ne se sont pas comprises. Ballon dégagé par la défense canadienne. Par moment. Haïti sème la panique dans la défense canadienne. Route ni Mathurin pour l'exécution de la touche. Et intervention manquée d'une Canadienne. Les Haïtiennes vont récupérer. Intervention manquée de la joueuse haïtienne. Attaque des Canadiennes. Attention, bon dribble. L'équipe canadienne déjà en territoire haïtien. La passe. Intervention de la défense haïtienne. Il y a faute. Il y a faute sur Naftali Norté. L'arbitre est venu s'enquérir de l'état de la joueuse haïtienne, en l'occurrence Naftali Norté. Intervention irrégulière de Jeudi Rivière. Cette faute lui a valu un carton jaune. C'est le premier carton depuis le coup d'envoi de la rencontre. Coup franc pour la sélection haïtienne. Long ballon dans la défense canadienne. Le ballon, ballon perdu par la joueuse haïtienne. Les Canadiennes combinent à partir de leur moitié de terrain. Le dribble qui réussit, ça va très vite avec les Canadiennes. Attention à cette passe, il y a danger pour Haïti. Heureusement, la joueuse canadienne a manqué sa passe. Il s'agit de Tania Boychouk. C'est une remise en jeu pour la sélection haïtienne. À 4 heures, la grande finale de la compétition. États-Unis-Mexique. Deux formations de l'Amérique du Nord vont s'affronter en finale. Le Mexique, voisin des États-Unis, dans le camp de l'équipe canadienne, ballon repoussé, les Haïtiennes insistent au niveau de la défense canadienne, bon dribble, un second dribble, bien joué, côté de l'équipe haïtienne, les Haïtiennes toujours en possession du ballon, l'équipe haïtienne va recommencer le jeu, oui, ballon dans la moitié de terrain de l'équipe haïtienne, passe en profondeur, le coup de tête, l'équipe canadienne pour le moment arrive à récupérer le ballon. La passe, oh non, le contrôle est mauvais. Et la joueuse haïtienne a pu dégager. Et ballon récupéré par Nerilia. Oh non, trop de précipitation. Les Haïtiennes, souvent, il y a un manque de lucidité côté de l'équipe haïtienne. Ballon dans la défense canadienne. Et le pressing se fait haut côté haïtien. Le pressing se révèle payant. Danger pour le Canada. Le danger toujours présent dans le camp canadien. Le centre. Est-ce qu'il y a corner? Est-ce qu'il y a corner pour Haïti? C'est un stade pratiquement vide. Pour ce match, match pour la troisième place entre Haïti et Canada. Il faut savoir que Trinidad, c'est pas un grand pays de football. La touche a effectué très rapidement. La touche est plutôt pour la sélection du Canada. Jusqu'à présent, l'équipe haïtienne tient bon. Tout le pays espère une qualification des Grenadières pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ce serait une grande première. L'équipe haïtienne ouvre le score. Goal!
0 pour Haïti. Haïti ouvre le score. On revoit cette passe en profondeur. La frappe, j'allais je dis, a ajusté la portière canadienne. Riley Foster pour l'ouverture du score. Oui, entame de rencontre idéale pour la Grenadière qui mène 0. But de Charlie Jeudi. Haïti, avant même la 20e minute de jeu, mène 1-0 face à la sélection canadienne. Les protégés de Makola ont bien entamé la rencontre en prenant beaucoup d'initiatives. Oui, c'est à la 16e minute de jeu que Charlie Jeudi ouvre le score. La touche effectuée très rapidement. Ballon dégagé par une joueuse haïtienne. C'est bien Bettina Petit Frère. La touche effectuée très rapidement. Intervention manquée d'une joueuse haïtienne. Là, on se demandait s'il n'y avait pas faute. Intervention de la défense haïtienne, la longue passe, attention à la dangereuse Nerilia, attention, et le tacle, le ballon est allé en touche, Nerilia est resté au sol, touché sur l'intervention de Young, Ariel Young, Makola debout, Nerilia, et la joueuse a surveillé. La touche effectuée très rapidement. Et ballon contré. C'est une touche. Une nouvelle touche pour les Grenadières. La touche effectuée très rapidement. Ballon récupéré par la défense canadienne. Attention. Passe dans le dos de la joueuse canadienne. Nerilia à la poursuite de l'arrière centrale canadienne, contraint de passer le ballon à sa gardienne Riley Foster. La relance de Riley Foster, le coup de tête, l'équipe haïtienne en possession du ballon. Oh non, ballon perdu, les Canadiennes vont repartir à l'offensive. L'équipe haïtienne à la récupération, passe au milieu du terrain et la mauvaise passe de la joueuse haïtienne. Intervention propre, la longue passe, attention, la défense canadienne joue haut. Est-ce que Nerilia va en profiter? Nerilia résiste. Quelle passe de Nerilia? Danger pour l'équipe canadienne. Oh non, non. Souvent les haïtiennes pêchent dans la dernière passe. Oui, ça c'est le but de Charlie Jeudi. Regardez le banc haïtien en train de jubiler après l'ouverture du score. L'équipe canadienne en difficulté face à Haïti. Attention, ballon récupéré. Oui, intervention propre côté de l'équipe haïtienne. Bien joué, Nerilia, la frappe, mais non. Ballon capté par Riley Foster, la gardienne canadienne, et les joueuses haïtiennes accrocheuses. La talonnade, bien joué, quelle feinte. L'équipe haïtienne joue bien là en ce moment. La frappe, mais c'est trop molle pour inquiéter Riley Foster. Riley Foster capte facilement le ballon. Riley Foster va dégager pour la sélection canadienne. Le football féminin haïtien en constant progrès. La relance de Foster. Ballon dévié de la tête. Intervention de la défense haïtienne. L'équipe canadienne s'empare de la balle. La feinte. Attention à ce centre. Et finalement, le ballon est sorti. Sur l'intervention de Whitney Mathurin, latéral gauche de la sélection haïtienne. C'est une touche pour la sélection canadienne. Je rappelle le score, Haïti mène 1-0.
but de Charlie jeudi à la 16e minute de jeu. Il y a une joueuse canadienne en difficulté. C'est bien Ariel Young. Ariel Young, pour le moment, reçoit les soins que son cas nécessite. La question, va-t-elle pouvoir continuer? Young se fait soigner. Entre-temps, la joueuse canadienne se désaltère. Et finalement, Ariel Young s'est relevé. On se demande est-ce qu'elle va pouvoir continuer. C'est une touche pour la sélection et canadienne. Touche que va effectuer Emma Reagan. Latéral droit de la sélection canadienne. Et ballon en territoire de l'équipe haïtienne. Il y a faute. L'arbitre américaine Ekaterina Korolyova arrête le match, accordant un coup franc à la sélection canadienne. Faute commise par Nerilia Mondésir. L'entraîneur de la sélection canadienne paraît anxieuse. Son équipe est en difficulté. Et ballon dans la défense haïtienne. Les Canadiennes insistent. Le centre. Ballon capté par Kerly Teus. Kerly Teus, la gardienne de l'équipe haïtienne, va dégager. Oui, très loin. Et attention, attaque de l'équipe haïtienne. Bien joué, côté de la sélection et haïtienne. Nerilia. Finalement, le ballon sort sur l'intervention de Ariel Young. C'est une touche pour la Grenadière. Ruth Nimaturin pour l'exécution de la touche. On revoit ce coup de tête qui est allé directement sur Kerly Teus. La touche effectuée très rapidement. Intervention de la défense canadienne. Les Haïtiennes veulent le ballon. Le ballon est toujours au niveau de la défense canadienne. Attention à cette passe. Ballon dégagé par les Canadiennes. L'équipe canadienne attaque. Attention. Bon tacle. Quelle intervention de la joueuse haïtienne. C'est bien Bettina Petitfrère. Elle est restée au sol. L'arbitre, l'américaine Ekaterina Korolyova, est venue s'enquérir de l'état de la joueuse haïtienne. Regardez le mauvais geste de la joueuse canadienne qui aurait pu lui valoir un avertissement. C'est la 27e minute de jeu. On se dirige vers la demi-heure de jeu. On n'a pas compris. L'arbitre aurait dû passer un carton à la joueuse canadienne pour ce mauvais geste. Ça, c'est le banc haïtien avec l'entraîneur en chef, le français Marc Collat. On revoit ce tacle de Bettina Petitfrère. La joueuse canadienne Tania Boychouk aurait dû écoper un carton pour ce mauvais geste. L'arbitre central a oublié de sortir le carton. Attention, ballon dégagé par la défense haïtienne.
Les Canadiennes insistent dans la défense haïtienne. Attention, quelques soucis techniques. Le ballon est toujours dans le camp haïtien. Les Canadiennes insistent. Le centre, ballon capté par Kerliteus. Les mains sûres de Kerliteus. On se dirige vers la demi-heure de jeu. Kerliteus va dégager très rapidement. Ballon en territoire de la sélection canadienne. Nerilia, le coup de tête de Nerilia. Ballon au milieu du terrain. Attention, les Canadiennes éprouvent beaucoup de difficultés à sortir de leur défense. Et ballon récupéré par la joueuse haïtienne. Bien joué. Quel dribble pour effacer son vis-à-vis. Malheureusement, sa passe est mauvaise. Les Canadiennes s'emparent de la balle. Et ballon dans le camp haïtien. Attention à cette attaque. Le centre. Dégagement de la défense haïtienne. Un dégagement à l'emporte-pièce. Oui, la défense haïtienne paniquée. Et c'est Naftali Norté qui a dégagé ce ballon en corner. Corner pour la sélection canadienne. L'arbitre va donner le signal. Corner pour les Canadiennes. Attention à ce corner. Ballon capté par Kerliteus. Très bonne intervention de la gardienne haïtienne. Le dégagement de Kerliteus. Déviation de la tête. Nerilia à la poursuite de la joueuse canadienne. Et finalement, c'est Riley Foster qui contrôle ce ballon. Riley Foster, la passe de Riley Foster. Les Canadiennes vont pouvoir repartir à l'offensive. Et la longue passe dans la défense haïtienne. Le coup de tête. L'équipe canadienne reprend rapidement le contrôle du ballon et la feinte. Les joueuses haïtiennes, entre-temps, se replacent. Et la passe en retrait. Et l'équipe canadienne toujours en possession et du ballon en territoire haïtien. Attention. Les joueuses haïtiennes bien en place. Très bonne intervention côté haïtien. L'équipe canadienne à la récupération. Ballon et au niveau de la défense. Attention à cette ouverture. Ballon bien lu par la joueuse haïtienne. Et petite bousculade et finalement c'est une touche. Touche pour l'équipe haïtienne. Touche concédée par Emma Rigan. Emma Rigan, latérale droit de la sélection canadienne. La touche effectuée par Whitney Mathurin. Whitney Mathurin. La touche effectuée par Whitney Mathurin. Ballon dégagé par la défense canadienne. Attention. Les Haïtiennes sont en infériorité numérique au niveau de leur défense. Attention à cette attaque de la sélection canadienne.
danger dans le camp haïtien. Danger, finalement, danger conjuré. L'équipe haïtienne repart à l'offensive. Ballon repoussé par la défense canadienne. Et les Haïtiennes procèdent par de longues balles. Et finalement, c'est un ballon perdu. Intervention de la gardienne de la sélection canadienne, Riley Foster. L'équipe haïtienne jusque-là tient bon. Ce serait historique, une qualification de l'équipe haïtienne pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ce serait une grande première dans l'histoire du football féminin haïtien. Attaque de la sélection canadienne. Les joueuses haïtiennes sont en train de se replacer. Le centre. Ballon capté par Kerly Theus qui a anticipé. Oui, très bonne anticipation de Kerly Theus, la gardienne de la sélection haïtienne. Kerly Theus n'est pas pressé. Kerly Theus s'apprête à dégager. C'est la 32e minute de jeu. Ballon dans la défense canadienne. Attention. L'équipe haïtienne. Attention. Là, sur cette action, Haïti aurait pu doubler la mise. Bonne intervention de Riley Foster. La dangereuse Nerilia Mondésir qui a failli doubler la mise pour la sélection haïtienne. Attaque des Canadiennes et Marigan. Et Marigan. Et la combinaison des Canadiennes en territoire de l'équipe haïtienne. Le coup de tête. Jusque-là, la défense haïtienne tient bon. Intervention une nouvelle fois de la défense haïtienne. L'arbitre arrête le match. Ce sera un coup franc pour la sélection haïtienne. L'équipe haïtienne bénéficie d'un coup franc. Oui, c'est bien un coup franc pour l'équipe haïtienne. Tout le pays espère une qualification de l'équipe haïtienne pour la phase finale de la Coupe du Monde. France 2018. Ballon dans la défense canadienne.
Et l'équipe canadienne va bénéficier d'une touche. Oui, c'est bien une touche pour la sélection canadienne. Les Canadiens en difficulté face à la sélection haïtienne. Makola donne des instructions. C'est inhabituel chez lui. Aujourd'hui, Makola parle beaucoup. Habituellement, il est plutôt calme. Il parle très peu. Makola, qui espère faire l'histoire avec Haïti. Ballon dans la défense de la sélection canadienne. Attention, la passe qui réussit. Deux joueuses haïtiennes à la poursuite de la portée de la balle. Il y a faute. Il y a faute sur Naftali Norté. Naftali Norté est resté au sol. Naftali Norté est resté au sol. La 34e minute de jeu, plus de peur que de mal pour Naftali Norté qui s'est relevé. Le jeu va reprendre. Retour, chers amis, après quelques soucis techniques, ballon de l'équipe haïtienne en territoire canadien. Attention, il y a faute. C'est un coup franc pour la sélection et canadienne. C'est toujours 1-0 en faveur de l'équipe haïtienne. Ballon dans la défense canadienne. Attention. La longue passe, le coup de tête, bien joué. La défense haïtienne joue bien. Et l'équipe canadienne tente de récupérer. Finalement, le ballon est sorti en touche. C'est la 44e minute de jeu. Il reste très peu de temps à jouer pour la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Jusqu'à présent, l'équipe haïtienne tient le match par le bon bout. La touche effectuée par Whitney Mathurin. Déviation de la tête. Le jeu sans ballon. Nerilia Mondésir. Il y a faute. Les Canadiennes commettent pas mal de fautes. Et c'est bien Roselyne Eloisin qui a resté au sol. Le jeu momentanément interrompu. Roselyne Eloisin qui est originaire de Miragouane. On voit l'intervention de la Canadienne Emma Rigon. Une minute de temps additionnel selon l'indication du quatrième arbitre. Le banc haïtien cette génération peut faire l'histoire. En se qualifiant pour la phase finale de la Coupe du Monde, ce serait une grande première dans l'histoire du football féminin haïtien. Et attaque de l'équipe haïtienne, intervention de la défense canadienne, le coup de tête, les Haïtiennes négocient bien cette première mi-temps. Bon dans le marquage, attention, et le dribble qui réussit, bien joué. Et finalement, Emma arrive à dégager. Quel dribble de cette heureuse Canadienne. Et va-t-il pouvoir passer?
intervention de la défense haïtienne. Balle au milieu du terrain, déviation de la tête. À l'instant, l'arbitre américaine met un terme à la première période. C'est Ekaterina Korolova. 1-0 en faveur de l'équipe haïtienne. But inscrit pour Haïti par Shelly Hedy dès la 16e minute de jeu. On observe la pause. À tout à l'heure pour la seconde période. On est de retour, chers amis, pour la seconde mi-temps entre Haïti et Canada. L'équipe haïtienne mène jusqu'à présent 1-0. Haïti donc à 45 minutes pour valider son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde France 2018. Attention à ce centre. Ballon capté par Riley Foster. Riley Foster, la gardienne de la sélection canadienne, se prépare à dégager. Ballon au niveau de la défense, passe latérale. Et attention, pressing de l'équipe haïtienne. Le ballon est toujours au niveau de la défense canadienne. Et la longue passe. Intervention de la défense haïtienne. Il y a faute. Il y a faute sur Naftali Norté. On revoit cette intervention fautive de la joueuse canadienne. Jordine Huitema. Attention à cette longue passe dans la défense canadienne. Le coup de tête. L'équipe canadienne repart à l'offensive. Et attention, la joueuse canadienne se rabat vers le centre. Et très bon contrôle. Quelle ouverture. La défense haïtienne va se replacer. Le tacle de la joueuse canadienne pour sauver ce ballon. Finalement, ballon récupéré par la défense haïtienne. Les haïtiennes combinent à partir de la moitié de terrain. La longue passe. Attention. Et il y a l'intervention de la gardienne Riley Foster. Foster joue très bien à gauche. Ballon au milieu du terrain. Attention, les joueuses haïtiennes font le pressing très haut. La combinaison, le ballon est toujours au niveau de la défense canadienne. Attention, et long ballon dans la défense haïtienne. Intervention manquée de la joueuse haïtienne, mais quel tacle! Bien joué, côté de l'équipe haïtienne. Et est-ce qu'il y a faute, que dit l'arbitre? Non, l'arbitre américaine fait signe de continuer. On est en danger. Le centre, l'équipe canadienne, et finalement, la défense haïtienne parvient à dégager. Et attention et à cette passe, les haïtiennes combinent dans leur moitié de terrain. Non. Ballon perdu, récupéré par les Canadiennes. Attaque avortée. C'est Kerly Théus qui intervient pour capter le ballon. Kerly Théus n'est pas pressé. Kerly Théus va dégager finalement. Probablement, elle va effectuer un long dégagement. Long dégagement de Kerly Théus, ballon en territoire de la sélection canadienne. Le coup de tête, les Haïtiennes reprennent le contrôle du ballon, passe en aile de pigeon. Les Haïtiennes combinent à partir du rond central. Bon dribble, bien joué, une deux qui réussit. La feinte, les Haïtiennes jouent bien. Attention, danger pour la sélection canadienne. Le danger toujours présent. Quelle intervention de Riley Foster. Riley Foster était sous la menace de Roselyne Eloisin. C'est une touche pour la Grenadière. Touche pour la sélection haïtienne. Bettina, petit frère, laisse le ballon. Et voilà, attaque avortée de l'équipe haïtienne. La remise en jeu va être assurée très rapidement par Riley Foster pour la sélection canadienne. Riley Foster, petite passe à gauche. Et le pressing de tous les instants des joueuses haïtiennes. Les Canadiennes finalement perdent le ballon. Et ballon récupéré par l'équipe canadienne. Et attention, petite bousculade. Le contrôle est mauvais.
de la joueuse canadienne. La 54e minute de jeu. C'est toujours 1 pour Haïti, 0 pour le Canada. La touche a effectué. Nouvelle touche pour le Canada. Il y a une joueuse haïtienne au sol. C'est bien Bettina, petit frère, bousculé par une joueuse canadienne. Et ballon au milieu du terrain. Les Haïtiennes accrocheuses, ne voulant pas laisser trop d'espace aux Canadiennes. Attention, ballon contré au passage. C'est une touche pour la sélection canadienne. Changement annoncé côté de la sélection canadienne. La sélection canadienne en grande difficulté. L'espérance fait son entrée. Ballon qui est sorti. Ça, c'est le banc canadien. C'est une touche pour les Nord-Américaines. Ballon dans la défense haïtienne. Le centre. Ballon repoussé par la défense haïtienne. La feinte. La joueuse haïtienne arrive à combiner en retrait. Oh non, non, non. Les Haïtiennes doivent soigner leur passe. Oui, souvent, il y a un petit problème dans la transmission du ballon. Les Canadiennes, déjà en territoire haïtien. Attention, Emma, et que va-t-il faire? Que va-t-elle faire, pardon, Emma Harrigan? La passe, la sortie de Carliteus. Bonne intervention de Carliteus. On revoit ce centre. La gardienne de l'équipe haïtienne a bien lu la passe. Le coup de tête. Ballon dégagé par les Canadiennes. Le ballon revient dans la défense. Passe latérale en direction de Emma Harrigan. Intervention manquée d'une joueuse haïtienne. Ballon dans le rond central. Attention à cette passe. Oh là, là, on est en danger. L'équipe canadienne met la pression. Oh là, la sortie de Carliteus. Bonne intervention de Carliteus. La gardienne de la sélection haïtienne a touché. Carliteus est au sol. Avertissement verbal à Carly, capitaine de la sélection canadienne. Gabriel Carly. Ce ballon a mis en difficulté la défense haïtienne. Heureusement, il y avait la présence de Carliteus. Le banc haïtien. Les joueuses haïtiennes se désaltèrent. Carliteus reçoit les soins que son cas nécessite. Et finalement, elle va se relever. Le banc de la sélection haïtienne. C'est un coup franc pour les Haïtiennes.
les fans de la sélection canadienne. En train d'encourager leur équipe. Ballon récupéré par les Canadiennes. Attention à cette passe. L'équipe haïtienne se replace. Le centre, ballon contré. Le danger est toujours présent dans le camp haïtien. Oh là, la frappe! Aucun souci majeur pour Carly Théus. C'est l'heure de jeu. La 60e minute. On revoit ce tir qui est allé directement sur Carly Théus. Attaque de l'équipe haïtienne. Attention! Les Haïtiennes toujours en possession du ballon. Bon dribble, bien joué. Et attention à cette passe. Danger pour le Canada. Et finalement, danger écarté. L'équipe canadienne contre-attaque très rapidement. La défense haïtienne dégarnie. Et entre-temps, les joueuses haïtiennes ont eu le temps de revenir. Et les Canadiennes insistent à l'entrée de la surface de réparation. Le centre, qui n'a pas trouvé preneur au deuxième poteau. Là, l'équipe haïtienne peut respirer. Une courageuse équipe haïtienne. L'entraîneur de la sélection canadienne donne des instructions. Dégagement au 5m50. Long dégagement de Melchi Daiel Dumornay. Et attention, le ballon est sorti. Ballon perdu. C'est Roselyne Eloisin qui tentait de se défaire du marquage de deux adversaires. Contrôle manqué de la joueuse haïtienne. On est en danger. Oh là! Il y a faute. Avertissement à la joueuse haïtienne, en l'occurrence, Naftali Norté. C'est la première joueuse haïtienne avertie dans cette rencontre. Naftali Norté à l'écran, en train de parler à ses partenaires. Oui, elle est anxieuse. L'entraîneur de la sélection canadienne, ça peut se lire sur son visage. Coup franc pour les Canadiennes. La combinaison, le centre, ballon contré, dégagement de la défense haïtienne. Et les Canadiennes maintiennent la pression. Attention, le centre, dégagement de la défense. Il y a faute. Il y a faute sur Rosiane Jean. Il y a faute sur Rosiane Jean. Faute commise par Jordine. Et la joueuse haïtienne est touchée au niveau du poignet. Le jeu momentanément interrompu. La sélection haïtienne est aux portes du paradis. On est à quelques minutes. Ce serait historique, cette qualification. Haïti serait la première sélection caraïbéenne à se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde féminine. Est-ce que cette génération va écrire l'histoire? Makola est sur le point de réaliser un exploit.
Le Canada étant l'une des meilleures sélections de la CONCACAF. Après les États-Unis, le Canada est le numéro 2 dans la zone CONCACAF. Attention à cette attaque de l'équipe haïtienne. Oh là, le ballon n'est pas sorti. On attend le centre. Le centre, il y a corner. Corner pour la sélection haïtienne. Corner concédé par Catro. Ashley Catro. Les joueuses haïtiennes vont se placer dans la surface de réparation. L'arbitre central, l'américaine Ekaterina Koroleva, va donner le signal. C'est Charlie Jeudy sur ce corner. C'est lui qui a ouvert le score pour l'équipe haïtienne. Ballon capté par Riley Foster. Foster. La passe de Foster. Les Canadiennes vont repartir à l'offensive. Attention à ce long ballon dans la défense haïtienne. C'est une touche concédée par Naftali Norté. Pardon, c'est Tabitha Joseph qui a dégagé. Ballon repoussé par la défense haïtienne. Attention, Nerilia. Et finalement, ballon perdu. Les Canadiennes s'emparent de la balle. L'équipe haïtienne va récupérer le dégagement. Ballon au milieu du terrain. Les Canadiennes s'emparent de la balle. Passe au milieu du terrain. Attention, les Canadiennes combinent à partir de leur moitié de terrain. Elles multiplient les passes. Ça ne progresse pas. L'équipe haïtienne est bien en place. Oui, le ballon revient dans la défense canadienne. Attention à cette ouverture. Les joueuses haïtiennes qui font une très bonne occupation du terrain. La sortie, très bonne sortie de Kerly Théus. Là, il y a télescopage entre Kerly Théus et la capitaine Gabrielle Carly de la sélection canadienne. Est-ce que Kerly Théus va pouvoir continuer? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Très bonne sortie de la gardienne de l'équipe haïtienne. Avec beaucoup d'autorité. Kerly Théus a touché et pour le moment se fait soigner. À ce qu'il paraît, c'est très sérieux. On est à la 68e minute de jeu. L'inquiétude gagne les rangs de du banc haïtien avec la situation, avec l'état actuel de la gardienne Kerly Théus. Changement annoncé côté de l'équipe haïtienne. Changement annoncé côté de l'équipe haïtienne. Bettina Petit Frère va sortir. Elle sera remplacée par le premier changement de Marc Collat. Voilà. La gardienne de la sélection haïtienne finalement debout.
pour la phase finale de la Coupe du Monde France 2018. Voici les qualifiés dans la zone Asie, le Japon, la Corée du Nord et la Chine. Pour la zone Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, France et Pays-Bas. Zone océanienne, c'est la Nouvelle-Zélande. Oui, pour la zone océanienne, une seule équipe est qualifiée. Pour la zone Afrique, Nigeria, Ghana. Pour la CONCACAF, États-Unis, Mexique et probablement Haïti. Pour le dernier billet, l'ultime billet. Le jeu reprend, attention à cette longue passe dans la zone sud-américaine. On connaîtra les qualifiés sous peu. Attention! Est-ce que le ballon va sortir? Non, il y a faute. Faute à donner William en désir. La phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, France 2018, c'est du 5 au 24 août. Ballon dans la défense canadienne. Attention à cette attaque et pressing qui se révèle payant. Attaque des Haïtiennes. Et attention, ballon perdu, l'équipe canadienne. Et attention, le dribble qui réussit. Les joueuses haïtiennes se replacent. Anticipation de la joueuse haïtienne. Très bonne anticipation. Attaque des Haïtiennes. Erilia, oh là, le danger est toujours présent. Est-ce que Haïti va inscrire un second but? Question de se mettre à l'abri. La frappe, ballon contré. Les Haïtiennes insistent. Le centre, le coup de tête, dégagement de la défense canadienne. Mauvais renvoi. Ce sera une touche pour la sélection haïtienne. C'est une équipe haïtienne appliquée. Bien en place sur le plan tactique. Un travail remarquable de l'entraîneur français Makola. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. Nerilia, deux joueuses canadiennes à la poursuite de Nerilia. Nerilia préfère jouer nettement en retrait. Attention, ballon au niveau de la défense haïtienne. Petite passe à droite. Les Haïtiennes déjà en territoire de la sélection canadienne. Intervention de Carly Foster. Et Charlie Jeudi, c'est elle qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Ballon en territoire de l'équipe haïtienne. Et bon tacle. Quelle intervention côté haïtien. Il y a beaucoup de volonté côté des joueuses haïtiennes. Oui. Il y a une joueuse haïtienne qui est restée au sol. C'est bien Roselyne Eloisin. Roselyne Eloisin va recevoir les soins que son cas nécessite. Roselyne Eloisin se fait soigner pour le moment. La 73e minute de jeu. Makola. L'entraîneur de la sélection haïtienne. La joueuse haïtienne Roselyne Eloisin est évacuée. Là, on se demande, est-ce qu'elle va pouvoir revenir sur le terrain? C'est pas évident. L'entraîneur de la sélection canadienne qui vient de disparaître de l'écran. Haïti joue momentanément à 10 en attendant que Roselyne Eloisin revienne ou qu'elle soit remplacée. Attention à cette attaque. Le tir, c'est à côté. Ça passe à côté. Ce tir de Jaydi Rivière. Oui, côté le changement effectué tout à l'heure par Makola, c'est Neloud Nicolas qui a fait son entrée à la place de Bettina Petitfrère. Le dégagement
Oui, c'est très loin. Le coup de tête, le ballon va sortir en touche. C'est une touche pour la sélection haïtienne. Les Haïtiennes ne sont pas pressées. Et voilà, Roselyne Eloisin revient. Passe en aile de pigeon. Attention à cette remise. Et ballon récupéré. Non, le mauvais contrôle de la joueuse haïtienne. Intervention fautive. Oui, il y a faute. Rapidement, l'équipe canadienne remet le ballon en jeu. Attention. Et intervention d'une joueuse haïtienne qui n'arrive pas à récupérer. Ballon dans la défense haïtienne. Le ballon est sorti. La touche est au profit de l'équipe haïtienne. Les Haïtiennes sont en train de livrer une bataille intéressante face à la sélection canadienne. Il y a beaucoup de volonté chez les jeunes Haïtiennes. Le dégagement assuré par Melchi Daniel Dumorné. Avertissement à Dumorné pour avoir mis du temps avant de dégager. Ballon au milieu du terrain. Long ballon dans la défense haïtienne. Dégagement des Haïtiennes. L'équipe canadienne reprend le contrôle du ballon. Attention, le dribble qui réussit. Les Canadiennes à l'entrée de la surface de réparation. Attention, bon tacle. L'équipe haïtienne parvient à récupérer. Le pressing se fait à trois. Attention, Nerilia, non. C'était pas Nerilia qui a voulu redresser la trajectoire du ballon. C'est une touche pour les Canadiennes. Oui, c'est une touche pour la sélection canadienne. La touche effectuée très rapidement. Et attention, et passe contrée. Et il y a danger pour Haïti, la frappe. Ballon repoussé par la défense haïtienne. L'arbitre arrête le match. C'est un coup franc pour la sélection haïtienne. Ah, il y a jeu de main d'une Canadienne. Oui. Et attention, ballon contré, récupéré par les Canadiennes. La longue passe. Deux joueuses haïtiennes à la poursuite de la Canadienne, obligée de jouer en retrait. Attention à cette passe. Il y a danger. Ballon contré. L'équipe haïtienne repart à l'offensive. Bien joué. Le tacle. Le ballon est sorti. C'est une touche pour les Haïtiennes. Touche pour la sélection haïtienne. Oui, le score de 1 but à 0 persiste. Haïti n'est pas loin d'une qualification historique pour la phase finale de la Coupe du Monde France 2018. L'équipe haïtienne doit rester concentrée. Attention, ballon perdu par les Haïtiennes. Il y a danger, 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 danger. Et finalement, danger conjuré. Pas de corner. Danger conjuré. La 79e minute de jeu. On est à 11 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Bien joué de la part de cette joueuse haïtienne, en l'occurrence Rosiane Jean. Le banc canadien, oui.
L'inquiétude gagne les rangs de l'équipe haïtienne, de l'équipe canadienne, pardon. Le spectre de l'élimination hante l'esprit des Canadiennes. Nouveau changement côté haïtien. Oui, il va y avoir un deuxième changement. Cette joueuse haïtienne est évacuée sur civière. C'est finalement Roselyne Eloisin qui est sortie, remplacée par Rachel Carémus. Rachel Carémus à la place de Roselyne Eloisin. Ballon dégagé. L'équipe haïtienne. Oh non, non, non. Mauvaise passe côté de l'équipe haïtienne. Ballon récupéré, perdu rapidement par l'équipe haïtienne. La récupération, attention à cette longue passe. Oui, bon ballon pour l'équipe haïtienne. Possibilité de deuxième but de l'équipe haïtienne. Oh là, le danger est toujours présent. Est-ce qu'Haïti va inscrire? Va inscrire un second but? Oh non, 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 non. Ce second but aurait pu plier définitivement la rencontre. Quelle opportunité de but des Haïtiennes. Regardez cette passe en profondeur. Les Haïtiennes auraient dû doubler la mise. Sur l'action, il y avait jeu de main, mais l'arbitre a préféré laisser jouer le principe de l'avantage. Charlie Jeudi en difficulté. Charlie Jeudi qui a ouvert le score pour la sélection haïtienne dans la 16e minute de jeu. Et là, on se demande si ce n'est pas la fatigue. La fatigue commence à s'installer chez les Haïtiennes. Oui, il y avait une débauche d'énergie. Les Haïtiennes commencent à payer leurs gros efforts. La 82e minute de jeu. Le ballon de l'équipe canadienne au niveau de la défense. Attention, la longue passe. L'équipe haïtienne tente de récupérer. Les Canadiennes combinent et maintenant elles sont en territoire de l'équipe haïtienne. Drip de conservation, le centre, mésentente entre Kerliteus et sa partenaire de la défense. Finalement, le ballon est sorti, la touche effectuée très rapidement. Le centre, mais quelle prise de balle de Kerliteus avec beaucoup d'autorité. Un bon match de la gardienne de la sélection haïtienne. On revoit cette sortie avec autorité pour capter ce ballon. Et l'équipe haïtienne, jusqu'à présent, mène 1-0 et a le dernier billet. Ballon dans la défense haïtienne. Attention, les Canadiennes. Et finalement, ballon perdu. L'équipe haïtienne perd le ballon. Attention à cette passe. Les Canadiennes dans la défense haïtienne. Le coup de tête. Mauvais renvoi de la défense haïtienne. Attention, le centre va venir. Le danger. Finalement, danger écarté. L'équipe haïtienne contre-attaque. Oui,
La feinte. Bon dribble de conservation. Attention. Et un second dribble. Bien joué. L'équipe haïtienne dans la défense canadienne. Attention. Passe contrée, il y a touche. C'est une touche pour la sélection haïtienne. Oui, la fatigue commence à s'installer chez les Haïtiennes. Attention, la touche effectuée. Oh non, le contrôle est mauvais. Non, c'est plutôt une mauvaise touche. Les joueuses canadiennes pressées. La touche effectuée. Ballon récupéré par les Haïtiennes. La longue passe dans la défense canadienne. Quel remis de la tête. Le danger est toujours présent. Danger pour le Canada. Le danger. Et finalement, le ballon est sorti en corner. Corner pour la sélection haïtienne. Un second but ferait un grand bien à l'équipe haïtienne. C'est la 86e minute de jeu. Corner pour les Grenadières. Corner tiré en deux temps. La joueuse haïtienne va chercher un nouveau corner. Non, c'est plutôt une touche pour les Canadiennes. Les Canadiennes au niveau de leur défense. La longue passe. Oh là, ballon. Il y a faute. La joueuse haïtienne a bien fait de descendre son adversaire. Elle n'avait pas le choix. C'était Ruth ni Mathurin. Attention à ce coup franc. On est de retour après. Et expulsion. Oui. Expulsion de cette joueuse canadienne. Le Canada désormais à 10. Le Canada désormais à 10. L'avantage numérique à la sélection haïtienne. L'équipe canadienne est sur le point de passer à la trappe. La 89e minute de jeu. Tacle. Assassin de cette joueuse canadienne. Carton rouge mérité. Et finalement, Naftali Norté s'est relevé. Très solide, Naftali Norté. Côté de l'équipe haïtienne, c'est le fighting spirit. Attention à cette attaque de l'équipe haïtienne. Danger pour les Canadiens. Oh là, il y a corner. Corner pour les Grenadières. Attention à ce corner. La 90e minute de jeu. 5 minutes, 5 longues minutes. Et non, ballon dégagé par Riley Foster. C'est un nouveau corner pour les protégés de Makola. Cette génération de joueuses haïtiennes est sur le point de faire l'histoire. Bon dribble. Attention, le danger est toujours présent. Et là, la joueuse haïtienne va combiner en retrait. Non, ballon perdu. L'équipe canadienne est pressée. Et le pressing se fait haut. Côté de l'équipe haïtienne, les haïtiennes doivent se replacer rapidement. Les canadiennes combinent
au niveau de leur défense. Attention, il y a faute. L'arbitre arrête le match. C'est un coup franc pour l'équipe canadienne. C'est Riley Foster qui va dégager. Les joueuses canadiennes sont montées. Riley Foster, vraisemblablement, un long dégagement. Attention, le ballon capté par Carly Theus. Elle va grappiller quelques secondes. La relance de Carly Theus, auteur d'un bon match. Attaque de l'équipe haïtienne. Attention. Oui, c'est une touche. Les Haïtiennes jouent avec beaucoup d'intelligence. Oui, les Haïtiennes jouent avec beaucoup d'intelligence. Touche pour l'équipe haïtienne. La touche effectuée très rapidement. Attention. Le centre. Possibilité de second but. Oh là! Non, la passe, le danger est toujours présent. Ça peut être le second but. Oh là là! Énorme occasion des Haïtiennes. Quelle frappe de balle de Nelou, de Nicolas. La gardienne de l'équipe canadienne s'est bien détendue. Elle a dû s'employer pour faire échec. Aneloud Nicolas. Est-ce un corner? Oui, c'est bien un corner pour l'équipe haïtienne. Qu'est-ce que l'arbitre attend pour mettre un terme à la rencontre? Attention! Il y a position avancée. On est à moins de 2 minutes du paradis. Haïti se rapproche de l'hexagone. Oui, la phase finale va se jouer en France au mois d'août prochain. Attention à cette passe en profondeur. Danger pour la sélection canadienne. La frappe. Oh non, non, non. Nerilia. Son tir est passé largement à côté. Riley Foster à la relance. Le coup de tête, bien joué. Les Haïtiennes, souvent dans les duels aériens, se montrent impériales. Ballon dans le camp haïtien. Attention, le centre, la reprise. Non, ballon capté par Carly Theus. Regardez le banc canadien. Il reste très peu de temps à jouer. Le dégagement de Carly Theus. Est-ce la fin? Et l'arbitre, qu'est-ce que l'arbitre attend pour mettre un terme à la rencontre? Attention, ballon au milieu du terrain. Les Haïtiennes tentent de récupérer. Attention à cette longue passe. Le danger dans le camp haïtien. Oh là! Finalement, danger conjuré. C'est une touche pour la sélection canadienne. L'arbitre doit mettre un terme à la rencontre. Et c'est terminé! Qualification historique de la sélection haïtienne pour la phase finale de la Coupe du Monde. France 2018, cette génération fait l'histoire, écrit l'histoire. Oui, c'est pour la première fois une sélection féminine caraïbéenne se qualifie pour une phase finale de Coupe du Monde. Un travail remarquable du staff technique, notamment Makola, qui est venu prendre en main cette équipe pour cette dernière phase des éliminatoires. Oui, cette génération de footballeuses haïtiennes. Oui, cette génération est en train de marquer, de faire l'histoire. Oui, c'est une qualification historique. Et je vais rappeler le parcours de l'équipe haïtienne à l'occasion de cette dernière phase
des éliminatoires dans la zone CONCACAF, dans le groupe A, Haïti. Pour son premier match, s'était imposé 3-2 face à Trinidad et Tobago, le pays organisateur. Haïti a battu Costa Rica 3-2 pour son dernier match de poule. Haïti, une équipe largement remaniée, s'était incliné face à la sélection et canadienne 4-0. Aujourd'hui, c'est la revanche. Oui, Haïti a pris sa revanche en s'imposant sur le strict minimum. Mais ce but est combien précieux. Un but salvateur. Ce but propulse Haïti à la phase finale de la Coupe du Monde. Phase finale qui va se jouer au mois d'août prochain en France. Oui, l'équipe haïtienne pour, et à l'occasion de la demi-finale, s'était inclinée au tir au but face à la sélection des États-Unis. Aujourd'hui, pour le dernier match, le match pour la troisième place, et les protégés de Makola s'imposent sur le score de 1-0, but inscrit par Charlie jeudi, 16e minute de jeu. Donc, tout le pays est en train de célébrer cette qualification historique de la sélection haïtienne. Chers amis, merci d'avoir été avec nous. À bientôt.